bouteille d'huile, de vin, d'eau, pot de cornichons ou de confiture, bocaux de légumes en verre blanc, marron ou vert, ce sont tous des emballages en verre recyclable. Et pour qu'ils soient recyclés, il suffit de les trier et de les déposer soit dans la colonne près de chez vous, soit dans nos centres de recyclage. Rien de plus simple. Sur le territoire de la CODA, vos emballages sont pris en charge par deux entreprises locales. À Saint-Vigor-d'Imonville, on réceptionne et pèse les quantités d'emballages que vous avez triés. Grâce à des tapis roulants et des rayons laser, le verre est séparé en fonction de sa couleur. À la sortie des tapis roulants, on obtient une matière appelée calcin. C'est du verre pilé qui servira à fabriquer de nouveaux contenants. Trier, c'est primordial, car le verre est une matière qui est recyclable indéfiniment. Et plus de verre recyclé, c'est moins de matières premières ponctionnées dans la nature. Mais ce n'est pas tout. Au Havre, il existe une usine spécialisée dans la fabrication de bouteilles à partir de calcin. Ici, vos objets ne sont plus uniquement des déchets que l'on recycle, mais des ressources précieuses qui alimentent l'économie locale. Vous triez vos emballages, nous les collectons et ils sont recyclés localement. Pour trouver facilement et rapidement le point de collecte le plus proche de chez vous, téléchargez l'application Tri Pratique pour tout savoir sur la gestion des déchets sur la CODA.